chemin de terre qui conduit au presbytère. Ils ont tué notre abbé. Les soldats de Robespierre font la chasse aux réfractaires. Ils ont la mort au poignet. Déjà dans tout le bocage, les gens quittent leur village pour lever la grande armée. Les paysans en sabots, les aristos en jabot, des milliers de gars sont prêts. Ce n'est pas joli la guerre, mais il faut parfois la faire lorsque l'on est agressé. C'est pourquoi Dieu nous soutienne, notre premier requiem est pour les morts de Vendée. Nous portons sur nos poitrines la foi de notre origine, le cœur sacré de Jésus. Toutes les valeurs chrétiennes coulent toujours dans nos veines, notre Seigneur l'a voulu. Nous ne souhaitions pas la guerre, simplement faire nos prières, sans avoir à nous cacher. C'est pourquoi Dieu en témoigne, nous luttions contre la montagne pendant les guerres de Vendée. Ils ont massacré nos frères, ils ont éventré nos mères, ils ont brûlé nos enfants. Ils rêvaient de nous détruire, ils ont failli réussir, et personne ne s'en repent. Sur le grand éphéméride, l'auteur du populicide n'a pas payé pour ce sang. C'est pourquoi Dieu nous pardonne si nous condamnons cet homme devant le grand monument. Parfois, lors d'une nuit forte, des ombres frappent à notre porte. Elles ont les noms des héros. C'est pourquoi Dieu nous comprenne. Il arrive que notre cœur saigne au souvenir de Catelino. Jacques Catelino, Antoine de la Trémoigne, Henri de la Roche-Jacquelin, Maurice Delbey, Louis de Lescure, Charles Artus de Bonchamp, Jean Chouron, Georges Cadoudal, Jean-Nicolas Stofflet, François Charette de la Contrie. Nous ne souhaitions pas la guerre, simplement faire nos prières, sans avoir à nous cacher. C'est pourquoi Dieu nous soutienne, notre premier requiem est pour les morts de Vendée. C'est pourquoi Dieu nous soutienne, notre premier requiem est pour les morts de Vendée.